Bonjour tout le monde, bienvenue. On est à peine à quelques plus de 24 heures de notre événement historique au Parti libéral du Québec, le Congrès au Leadership 2013. Et ce matin, on a trouvé l'idée de vous, bien sûr, vous faire vivre un peu le montage avec lequel on participe tous ensemble pour vous démontrer à quel point il y a un travail colossal qui s'effectue. Alors, je vous invite à l'intérieur, vous allez pouvoir voir de visu de quelle façon on fait le montage d'une salle de congrès, de quelle façon on met la technique, le son, l'éclairage, et bien sûr, les dizaines de personnes qui travaillent actuellement pour faire un excellent congrès. Alors, suivez-moi. Alors, on rentre à l'auditorium de Verdun. Les gens vont rentrer par ici, vont se diriger à l'intérieur, et bien sûr, il y aura soit vers la droite, soit vers la gauche, l'inscription où tous les délégués, tous les invités au congrès pourront s'inscrire. Et là, maintenant, on arrive dans l'auditorium de Verdun comme tel. L'auditorium de Verdun, c'est un aréna. Un aréna qui va nous permettre de vivre des émotions extrêmement intéressantes et palpitantes. Vous voyez aujourd'hui l'aréna, c'est complètement démonté. Nous avons recouvert la patinoire parce que dès lundi, il y aura d'autres matchs de hockey. Alors, on a recouvert la patinoire. La technique est en train de s'organiser. Là, tout le spectacle, tout le scénario du montage du Congrès au leadership va se passer ici. Alors, vous voyez que c'est un chantier de construction extrêmement important, mais n'oubliez pas que dans 24 heures, le tout sera terminé et opérationnel pour, bien sûr, d'abord débuter le congrès samedi 17 heures, qui va nous permettre de livrer un hommage extrêmement intéressant à Jean Charest, l'ancien chef du Parti libéral du Québec, qui a été ici pendant 14 ans avec nous à la tête du parti et, bien sûr, à la tête du gouvernement. Et par la suite, les équipes auront l'occasion de faire des tractations, parce que dans un congrès au leadership, il y a des délégués qui peuvent être encore indécis, jusqu'au moment d'aller voter. Donc, on assistera, bien sûr, à des tractations entre chacune des équipes, entre chacun des délégués. Par la suite, dimanche matin, dès 9 heures, on débute le tout avec des discours, entre autres le discours du chef du Parti libéral du Québec, Jean-Marc Fournier, le discours du président du Parti libéral du Québec, Saoul Polo. Par la suite, nos trois candidats, Raymond Bachand, Pierre Moreau, Philippe Couillard, auront l'occasion de s'adresser, bien sûr, aux délégués. Les gens qui voudront écouter sur le web pourront le faire parce que tout l'événement va être distribué en direct sur le web. Et par la suite, à 11h30, la votation va commencer. 2 heures de votation qui vont nous permettre d'arriver à un résultat dès 14 heures. Est-ce que nous aurons un tour? Est-ce que nous aurons 2 tours? C'est ce qu'on saura dimanche à partir de 14 heures. On vous y attend. Si vous voulez vous inscrire, allez sur le site Internet du parti. Vous pouvez vous inscrire. Vous êtes membre. Vous avez juste à faire quelques petites démarches et ça va nous faire plaisir de vous accueillir ici ce week-end à Verdun, à l'Auditorium de Verdun, pour le Congrès au leadership du Parti libéral du Québec. Merci. On vous attend.